Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de tout miser sur le regard, donc sur le head tracking, donc sur le... Tu peux juste expliquer ce que ça veut dire, l'interaction par le regard ? Oui, pardon. En fait, c'est le fait de pouvoir, de ne pas avoir à toucher à son trackpad sur le côté de son casque. Le trackpad, tu peux dire ce que pardon, c'est ? Pardon, le petit, excusez-moi, la petite interface qui permet de cliquer en fait, et d'activer comme la souris. En fait. Donc, on efface ça et en fait, dans le casque, donc il y a un mobile, donc il y a un gyroscope. Et donc, on arrive à créer un pointeur qui nous permet de viser. Matérialiser en fait, l'endroit où tu regardes. Où on veut, voilà, et là où on veut interagir. Donc, cliquer. Et donc, on vise un point et puis on définit une règle qui dit bah, au bout de 5 secondes sur ce point-là, eh ben, ça va activer une action, donc une interaction. Et donc, on nous a dit... Tu voulais préciser un truc sur la matérialisation du regard ? Pour l'instant, on traque la tête. Après, demain, donc ça, c'est assez proche. Il y a déjà des dispositifs, mais encore assez chers. C'est traquer les yeux. Donc après, ça peut être aussi une commande complémentaire. Traquer les yeux, ça veut dire à l'intérieur du casque de voir, oui, suivre la pupille et voir le casque positionne... plus ou moins parfaitement la tête de l'observateur, mais on a encore peu de casques où on traque la position des yeux. D'accord. Et donc, ça, évidemment, ça pourra donner évidemment, un intérêt important pour tous ceux qui veulent travailler dans les jeux vidéo, dans le cinéma VR. Et donc, Morgane, tu disais, c'est une chose que vous développez, ah, voilà, c'est un choix. Voilà, on a fait ce choix-là parce qu'on estime que ça procure un vrai confort dans la navigation et dans l'expérience globale pour aller choisir son contenu, pour aller le partager le cas échéant, enfin voilà, de pouvoir interagir avec l'interface. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, par exemple, je regarde un point dans mon univers virtuel et qu'en clignant des yeux, j'active quelque chose, ce genre de choses? Oui, ça peut se faire, ça. Quand il y aura tracking de l'œil, ça sera... des choses qui pourront se faire.